Bonjour. Alors, on va aller voir. Est-ce que tu vas t'en sortir financièrement? Alors, la question qu'on se pose des fois, hein. Et oui, par les temps qui courent, est-ce que je vais m'en sortir financièrement? Alors, vas-tu t'en sortir financièrement? Parce que peut-être on me dit que tu as des projets, tu as envie de partir en voyage, tu as envie un petit peu t'échapper de la réalité. T'as envie d'évasion, t'as envie de faire des projets, tu réfléchis comment tu vas pouvoir justement partir de tes soucis, pour certains les soucis financiers, on me dit, hein. Je vois une femme ici qui réfléchit, réflexion pour améliorer sa vie, pour pouvoir peut-être mieux vivre de sa passion, faire un voyage ou recommencer ce qu'elle faisait à l'époque. Peut-être des projets que tu avais. Ah, et on parle d'accomplissement. Donc tu vas y arriver, hein. Peut-être que tu as une passion aussi, hein, qui te permet de faire plein de. Tu voudrais faire plein de choses et projets. Et on parle de commencement. Donc tu peux mettre en œuvre un projet qui va te permettre d'améliorer, on me dit, ta condition de vie. Il faut peut-être que tu l'attires à toi. Tu as de la protection, donc tu dois croire en tes rêves. Il y aura du résultat par tes efforts et tout ce que tu fais actuellement pour mieux t'en sortir financièrement. On parle aussi que ta santé, c'est important pour pouvoir justement acquérir plus d'énergie et pour pouvoir peut-être passer plus de temps à travailler pour gagner plus d'argent, peut-être la santé morale et physique, hein, quelque chose qui te permet, si tu es bien, déjà la santé, ça aide justement une bonne énergie pour pouvoir améliorer ta condition de vie, pour pouvoir accroître tes revenus, hein, l'accroissement des revenus, on me dit. J'entends, on parle de commencement. D'accomplissement, plutôt bon signe, hein, si tu avais des soucis d'argent, on parle que c'est quelque chose que tu réfléchis et tu vas pouvoir retrouver l'abondance, hein, financière parce que tu as été un petit peu distrait et tu t'es un petit peu perdu, tu as eu des soucis qui t'ont fait que tu t'es senti seule face à tous ces problèmes, mais on me parle quand même de tristesse, mais que les choses vont pouvoir s'améliorer. Opportunité. Donc la richesse avec les poissons, le signe de l'abondance. Donc tu es protégé. Voilà, pour terminer la vidéo, opportunité.